Bonjour, j'espère que vous allez bien et que la semaine commence bien pour vous. Nous sommes lundi 9, donc je vais vous présenter mon budget et ma répartition de cette semaine 1 du mois de janvier. Pour moi, c'est la semaine 1 parce que normalement, janvier étant reparti sur 5 semaines, j'avais pris sur moi de la première semaine intégrer la première semaine du mois de janvier dans le budget de décembre. Donc, cette première semaine qui est passée, j'ai utilisé le mois le budget de décembre pour la manager. D'autant plus que c'était la dernière semaine des vacances ici en Belgique. Et cette dernière semaine, la semaine du 31, donc mes enfants n'étaient pas là, j'étais seule. Ils étaient en Allemagne chez les tontons et tata. Et c'était plus facile pour moi de pouvoir passer une semaine que je gère toute seule parce que j'allais faire bien évidemment moins de dépenses. Donc, ceci dit, aujourd'hui, donc le 9 janvier, nous sommes lundi, je ne suis pas allée travailler aujourd'hui. Bien que j'ai été un petit peu malade, j'ai eu une grippe incroyable et mes enfants sont rentrés de l'Allemagne malades et le plus petit, tout le week-end, il n'a pas arrêté de me faire des fièvres du coup. Aujourd'hui, nous sommes allés au médecin. Nous revenons du médecin. Il n'ira pas à l'école de la semaine. Donc, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas été travailler. Et probablement demain non plus. À partir de mercredi, les services de garde d'enfants malades de la mutuelle vont prendre le relais jusqu'au vendredi. Donc, voilà. Donc, sans tarder, je vais faire le remplissage de cette semaine du mois de. J'ai quelque chose que j'ai oublié au feu, peut-être que je vais devoir aller éteindre mon feu. Je reviens. Voilà, ceci dit, je vais. Pour cette semaine, donc, je vais vous présenter que les dépenses. Nous sommes le 9 du 1. Le budget alimentaire de cette semaine est de 100 euros. Donc, j'irai faire les courses. Au moment où j'irai prendre mes enfants à l'école, je vais faire les courses la semaine et de 100 euros. Ensuite, je vais compléter ici les enveloppes. Donc, normalement, je vous avais dit que mes enveloppes physiques deviennent des enveloppes virtuelles. Donc, ça veut dire que je ne veux plus fonctionner avec du cash, sauf pour certaines enveloppes comme l'enveloppe des enfants, parce qu'à la sortie des classes, il y a souvent des petites friandises à manger et c'est peut-être mieux d'avoir du cash sur soi pour faire facilement ses dépenses. Parce que je ne suis pas sûre que tous les commerçants ont les moyens de payer, possibilité de payer en ligne. Quoique depuis janvier de l'année dernière, ou juillet, je ne sais plus, tous les commerçants, même les plus petits, sont obligés d'avoir un moyen de paiement en ligne. Mais bon, voilà. Je n'ai jamais essayé, j'ai toujours payé cash. Donc, je disais que l'enveloppe des enfants, c'est une enveloppe que je vais retirer, qui va rester physique. L'enveloppe dont les 5 euros que j'ai décidé d'allouer chaque mois pour quelqu'un. Et éventuellement, mon enveloppe à moi perso. Donc, trois enveloppes qui faisaient à peu près un budget de 45 euros. C'est les seules enveloppes que j'ai décidé de garder physique. Le reste, je vais essayer de gérer en ligne. Mais sauf que ce matin, en allant au distributeur, donc en allant chez le médecin, je partais prendre l'argent de mon enveloppe santé, 20 euros, qui constitue l'enveloppe santé, pour aller au médecin. J'ai profité pour prendre également l'argent de l'enveloppe des trois autres enveloppes. Mais j'ai fait une erreur. Donc, au lieu de mettre le montant. Au lieu de mettre 65 euros, ben j'ai pris le montant que j'avais alloué à toutes les enveloppes physiques, donc 150 euros. Je me suis rendu compte de ça, la transaction était, bref, le retrait était fait. Je dis, mais non, je voulais 65 euros, pas plus. Donc 155 euros et non 65 euros. Donc finalement, j'ai tout l'argent qui me permet de faire les enveloppes. Physique, donc ce mois-ci je vais continuer comme ça avec cet argent physique et puis le mois prochain j'essaye de m'adapter comme j'ai décidé de le faire.
Bon, c'est parti pour le remplissage. Je vois que j'ai oublié mon filofax où j'ai mis l'argent, donc je vais aller chercher. Je reviens. Voilà, je suis là, je suis revenue. Donc, alimentation, 100 euros. Du coup, mon enveloppe d'hiver, 40 euros. Mon enveloppe santé, 20 euros. Mon enveloppe. Je regarde en même temps mes trackers, donc ça me donne une indication. Là, mon enveloppe entretien, j'ai décidé de mettre 20 euros dans l'entretien. Mon enveloppe, donc. On a 5 euros. Donc, je remplis ici. Mon enveloppe en santé, j'ai déjà mis. Enfant, non, mes amours. Enfant, c'est 20 euros. Ok, mon enveloppe perso. Perso, 20 euros. Resto. Resto et loisirs. Je mets combien? Donc on a 40, 60, 80, 100, 125. Il reste 30 euros à louer. Donc enveloppe loisirs et resto, je mets 20 euros. Il reste 10 euros. Ok, 10 euros. Normalement, c'est enveloppe essence, devait avoir 30 euros, mais j'avais décidé de payer mon essence avec mon enveloppe fixe, mes provisions de charge. Voilà. Donc, je vais mettre quand même les 10 euros qui restent dans l'essence. Du coup, je vais remplir ça. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire de mon petit dernier. Il aura 4 ans. Donc, je vais lui acheter, compléter. Il a eu un garage, un cadeau de Noël. Du coup, dans le garage, il n'y avait qu'une seule voiture. Donc, j'ai prévu de lui acheter sur Amazon des petites voitures comme cadeau d'anniversaire qu'il puisse mieux jouer avec son garage. Bon, ici, j'ai des pièces qui me restent parce que j'ai déjà dépensé, déjà pour le docteur et pour les médicaments. J'ai dépensé dans cette enveloppe. C'est plus enveloppe santé que j'ai eu à dépenser. 11 euros et quelques. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les caisses. Bon, et ici, j'avais mis l'autre somme que j'ai retirée de la banque. Ok, donc c'est parti. C'est parti pour le remplissage. J'avais dit que je ne veux plus voir de l'argent comme ça chez moi, ici. Mais bon. Alimentation, ça reste une enveloppe virtuelle. Donc, c'est l'argent est disponible dans le compte, la carte prévue pour ces dépenses, ce budget. Donc, alimentation, ça reste virtuel. C'est un argent qui est disponible. Tantôt, j'irai faire des courses, donc 100 euros. Ensuite, enveloppe diverse, je dois mettre 40 euros dans diverse. J'ai mon trépied qui s'est cassé. Du coup, je fais avec les moyens de bord. Je n'arrive plus avec ce que j'ai ici. Ce que j'ai, je n'arrive pas à incliner mon téléphone sur mes documents, donc sur ma table. Du coup, je suis obligée de faire comme ça en attendant, bien sûr, budgétiser pour acheter un autre trépied. Ça s'est cassé pendant le déménagement. Donc. On n'a pas fait bien attention, c'est tombé. Du coup, voilà. Et puis, c'est un peu clopin-clopin pour filmer normalement. Donc, voilà. Je vais prendre 40 euros dans divers. Et la banque là, elle m'a donné plein de billets de 5 euros. Je n'ai que ça, franchement. Bon, bref, c'est pas grave. 20 euros, je mets dans divers. Pas 20 euros, 40 euros, tant pour moi.
Ensuite, je ne mets pas dans santé parce que j'ai déjà utilisé l'enveloppe santé. Normalement, je devrais mettre 20 €. Je vais mettre 20 € dans l'entretien. Entretien. Je comprends pourquoi je ne me retrouve plus. J'avais enlevé tous les trackers. Oh, franchement, je suis une grave. Bon, on va utiliser ceci. Je pense que ceci a tout. Santé, reste en gros, mon perso. Donc, bon, il n'y a pas. Bon. Ok, je dois refaire les trackers ici. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais mettre 10 €, 20 € dans l'entretien. Je vais utiliser les 5 €, 20 € dans l'entretien. Il me faut du papier hygiénique. Je n'en ai plus. Les 5 € dans le don. Les 5 € de don, ça va aller dans mon portefeuille parce que je dois marcher avec. Ensuite, je mets 20 € dans l'enveloppe de mes enfants. Je prends également 2 billets de 5 et 1 billet de 10 dans l'enveloppe de mes enfants. Mais là, ici, je viendrai mettre des nouveaux trackers. Ensuite, je vais mettre dans mon enveloppe perso 20 €. Mais ça va aussi dans mon portefeuille. Mais 20 € je vais marcher avec. Voilà, on ne sait jamais. Ensuite, dans loisirs, je dois mettre 20 € dans loisirs. Ici, on a 20 €. Loisirs et resto, 20 €. 20 € dans le loisir et resto. Je ferai comme ça. Voilà. Ensuite, normalement, il doit rester de l'argent. Attendez, peut-être que j'ai mal fait mes comptes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 50, 55. Alors, pourquoi ça ne suffit pas? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 5. Ah oui. Je comprends. Dans l'enveloppe santé, j'ai donné 10 € pour la consultation et j'ai payé presque 12 € de médicaments. Donc, l'enveloppe santé, il n'y a plus rien du tout dedans. Donc, ce qui reste, c'est ce qui devra aller dans l'enveloppe essence. Il reste moins de 10 €. Il reste 5. 7, 8, 8,50 et des 5, 5, 2, 8, 50, 57. Donc, c'est ce qui doit aller, qui doit rester pour l'essence. En sachant que, comme je vous ai dit, mon enveloppe essence, ça, j'ai une enveloppe que je vais payer avec les provisions de charge. Voilà. Je reviendrai peut-être. Une fois faire de façon très claire et nette cette repartition de mes enveloppes virtuelles, je referai une vidéo dessus, comme ça ce sera plus clair quand je fais mon remplissage de début de mois, hein, que j'alloue une partie, c'est un petit peu une forme d'épargne, une épargne virtuelle pour prévoir les dépenses futures ou imprévues. Donc j'alloue une partie de mon revenu aux enveloppes virtuelles, donc qui prévoit tout ce qui est anniversaire, assurance, les frais divers et une autre partie pour les charges fixes avec des paiements décalés. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça mon budget de cette semaine, mon budget de début de semaine. En sachant que les enveloppes ici sont des enveloppes reparties au mois, seul le budget alimentaire de 100 € est un budget normalement à la semaine. En fin de semaine, on fera un petit bilan pour voir ce que j'ai dépensé de ces enveloppes. Vous, j'espère que vos prévisions budget et votre prévision financière pour la nouvelle année commencent plutôt bien. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon mois de encore, un bon mois de
de janvier et meilleurs vœux hein, pour cette nouvelle année. Je pense que chez nous, on dit souvent tout le mois de janvier, c'est le mois où il faut souhaiter bonne année, bonne année, bonne année. Donc, je vais arrêter de me répéter. Nous sommes encore en janvier. Donc, et puis voilà, les souhaits, c'est toujours bien. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall,